Je vais vous installer. Merci à tous les deux. Alors, bon, il y a un message là-haut qui nous dit. Il faut que vous leur disiez qu'ils nous saoulent depuis des années avec cette chanson. Ah, oui. Alors, il fallait quand même préciser que parce qu'on m'appelle l'ex-mari, mais on n'est toujours pas divorcés. Non, parce qu'on n'a pas fait les... Non, il y a un petit côté à papa-maman, comme ça. Non, parce que pour le public devrait... Enfin, c'est assez émouvant pour le public de savoir que vous avez été mariés, que vous êtes séparés et que vous restez complices. Vous avez transformé l'amour en amitié. Et c'est vrai qu'on est un peu chez Jean-Luc Delarue. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on garde des rapports, je veux dire, très très bons. Et je voulais d'ailleurs faire une demande officielle. Je suis venu avec divorce. Je suis venu avec les papiers. Je trouvais que votre entraîneur avait fait une demande de mariage. Voilà. Donc Domenech avait fait une demande en mariage. Moi, je te fais ma demande officielle en divorce. Parce que ça devient très difficile pour moi. Pourquoi d'à chaque fois expliquer que je suis marié. Oui, donc voilà, tu dois juste signer ici. Okay. En dessous, là. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là. Alors c'est aussi un peu ramener du courrier. C'est pour ta pension, la mutuelle. C'est très important parce que c'est toujours moi qui le reçois. Et alors tu peux me signer aussi celui-là, c'est le compromis de vente de la maison. Je dis vive la Belgique. Ah, c'est la tienne. Bon ben voilà. Et les dernières factures. Là, c'est vrai. C'est pour de vrai. Ben oui, est-ce que vous n'avez pas eu le temps de signer? Non, on n'a pas que ça à faire. Pour faire des files d'attente. Ça, on a essayé, tu te souviens? On a essayé de divorcer, ouais. On est parti. Tu te souviens? Non, mais on est arrivé devant le notaire qui nous a dit, qui était un notaire bruxellois, qui nous a dit, Patrick a 3 enfants avec moi. Il fait, bon, est-ce qu'il y aura des enfants dans le mariage? Ne te moque pas trop de lui, on va devoir le revoir. Hein. Donc je dis, oui, monsieur a 3 enfants, moi pas. Il est bien entendu que ses enfants restent les vôtres, monsieur, et que madame n'a rien à voir avec tout ça. Il nous l'a dit. Vous vous souvenez? C'est bien aimé. Ben bon.